Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Sa victoire est accueillie avec beaucoup d'espoir par la communauté homosexuelle. Mitterrand pense qu'il faut mettre fin à la fois à la discrimination, à la stigmatisation, à la différenciation finalement. Bon, ça y est, on vous fout la paix, les flics vous emmerderont plus, il n'y aura plus la brigade des squares et jardins. C'est des mecs qui venaient castagner les PD qui draguaient la nuit. Hein, donc voilà, c'est très sympa. Et là, on nous dit c'est fini. Donc joie, bonheur, félicité. C'est le paradis, c'est l'Éden, c'est la grande respiration. On vit. On vit avec, en plus, des clubs qui ouvrent et qui ont pignon sur rue, et surtout des bars. C'est l'arrivée du Marais. Tout d'un coup, on peut aller boire une bière, être sur le trottoir avec que des mecs ou que des filles. Dans cet élan de fierté, filles et garçons s'autorisent enfin à vivre leur homosexualité au grand jour. La première Gay Pride, je ne sais même pas si on l'appelait Gay Pride, j'y étais. Nous étions 10 000, je peux vous dire qu'on était heureux, qu'on avait les larmes aux yeux de savoir qu'on était 10 000 dans les rues de Paris, mais qu'on se faisait siffler et caillasser en même temps qu'on se faisait applaudir. En août 1982, le délit d'homosexualité est enfin abrogé, et avec lui, les discriminations et la répression. L'Assemblée sait d'ailleurs quel type de société dans l'histoire et aujourd'hui encore, toujours marquée par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Le moment est venu pour l'Assemblée d'en finir avec ces discriminations. La culture gay s'exprime désormais librement. Le magazine Gay Pied se vend chaque semaine à des milliers d'exemplaires. Et sur la bande FM, la première radio entièrement dédiée aux homosexuels voit le jour. Salut les PD! Au milieu de cet Éden, une radio qui émettait 24 heures sur 24, avec des programmes qui allaient de la musique classique à la politique, à la culture des médias, en passant par des émissions de cul et des émissions d'écoute. Fréquence Gay, qui est une radio d'humeur, d'amour et d'humour, on ne le dira pas assez, qui est là pour défendre le droit à la liberté des homosexuels. Cette radio, elle a fait figure de vecteur de libération pour énormément de jeunes générations.